La fin de tous les mots, la Bible indique que certains royaumes puissants s'élèveront pour opprimer les saints de Dieu pendant la fin des temps. Ils opprimeront les gens et encourageront l'immoralité jusqu'à ce que le temps désigné par Dieu vienne pour juger la terre. L'apôtre Jean a expliqué sa révélation donnée par Dieu et a dit La femme était vêtue de pourpré d'écarlate, lui parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylon le Grand, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu la femme, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, j'ai été émerveillée par un grand étonnement. Mais l'ange m'a dit, Pourquoi t'émerveilles-tu Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, il n'est pas, et elle montra de l'abîme et ira à la perdition. Et les habitants de la terre seront dans l'étonnement, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, quand ils verront la bête qui était, et qui n'est pas, et qui est encore, Apocalypse 17, 4-8, point, le saint, l'immoralité et la persécution des saints célébrés avant la seconde venue de Jésus-Christ. Plusieurs royaumes dans le monde encourageront la violence contre les élus de Dieu et certains d'entre eux seront tués à cause de leur témoignage en Jésus-Christ. De nombreuses personnes tireront du plaisir de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité et de toutes les autres immoralités. Cependant, Dieu mettra un terme définitif aux activités des mauvais travailleurs au moment où il le jugera opportun. Il transportera les personnes malfaisantes vers le feu de l'enfer, qui sera un lieu de punition permanent. Pierre, cher Dieu, aide-moi à ne pas suivre les traces de personnes malfaisantes. Ne me laisse pas pratiquer, afin que je ne pêche pas contre toi et n'encoure pas ton châtiment. Aide-moi à maintenir une bonne relation avec toi, et laisse-moi tenir fermement ton témoignage jusqu'à la fin, afin que je puisse être dûment récompensé au ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.